Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mika. Non voilà, les gars, n'hésitez pas. On est là, on a des choses à dire. On va faire des bails aujourd'hui, on va piéger des gens, on va les monter en l'air. Vas-y, retiens-moi. Retiens-moi, je monte en l'air, approche-moi comme ça dans ton objectif là. Baisse ton objectif. Les cachets. Je sais qu'il se barre. J'y parle de cachets, il se barre, cet enfoiré. Mika, les cachets, bordel. Non. Putain, prends les cachets. Viens ici. Prends ça. Allez, c'est bon. Non, prends-les. Oui, c'est bon. Maintenant. Oui. Oh, non, mais. Oh putain, qu'est-ce que t'as mis dans la bouche, Mika? C'est quoi? Je t'ai dit de pas mettre des. Pourquoi tu mets des pièces de monnaie, putain? Bah, je sais pas, tu m'as dit de prendre les cachets. Mais c'est pas des cachets, d'accord. C'est des pièces, bordel. Bon, bah, vas-y. Je sais pas, me dis pas de prendre. Mais c'est, je t'ai dit de prendre tes cachets, c'est pas dit de prendre tes pièces. J'ai que ça, moi, j'ai que des pièces, moi. Oh là là. Je me nourris d'argent. Bon, mais si vous voulez le. Bon, bref, allez. Allez. Donc aujourd'hui on est en compagnie, non allez plus sérieusement, aujourd'hui on est en compagnie de Dimitri. Dimitri, 20 ans, bonjour Dimitri, enchanté. Enchanté, moi je pense que je nous connais. Tu nous connais déjà. Oui, je vous connais, ça voilà. C'est Mika. Bon, on a fait la petite intro rigolo parce qu'en fait on a une tradition, c'est chaque fois qu'on fait une intro au début de vidéo. Non, on va faire déjà des métiers. C'est pas le sujet, on va le prendre au sérieux. Dans tous les cas. Donc toi apparemment tu rencontres un souci avec ta maman. Oui. Et t'es très proche de ton père. C'est ça. Là, t'as été élevé par ton père, c'est très proche avec lui, fils. Unique en plus. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le problème? Qu'est-ce qui se passe? Sans passer par quatre chemins, je soupçonne ma mère tromper mon père. D'accord. Même si personnellement ça ne me regarde pas. Non, c'est vrai que c'est pas questionnaire. Mais après, est-ce que ton père, si tu le soupçonnes, ton père, lui, il en sait rien? Non, il en sait rien. Il va parler avec lui. Non, j'ai pas osé encore. Tu n'as jamais osé? C'est pour ça que je fais appel à toi, Anthony, pour cette vidéo. Pour avoir la vérité, est-ce que mes soupçons sont vrais ou pas? D'accord. Qu'est-ce qui te fait. Ouais, voilà, c'est quoi que tu fais dire ça? J'ai entendu des conversations téléphoniques, hein. J'ai aussi trouvé des affaires qui n'appartiennent pas à moi ni à mon père. D'accord. Des chaussettes Nike, moi, mon père, il n'en met pas, moi, d'accord. J'en ai pas non plus. Ok. Même des habits et tout. D'accord. Donc c'est ça qui t'a fait mettre. C'est ça. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait comme métier, rappelle-nous? Il est routier, donc il est tout le temps en déplacement. Il fait. Il traverse toute l'Europe et tout. Ah, d'accord, et, donc en fait, il est jamais là, ton père. Pas souvent, c'est ça, il ramène l'argent à la maison, ouais. Il nous fait nourrir à nous. D'accord, et ça fait longtemps qu'il fait ce métier, oui. Je suppose? Oui, ça fait. Il a toujours fait ça? Ouais, il a toujours fait ça, ça fait plus de 20 ans maintenant. D'accord. Okay. Et tes parents, ils sont en couple depuis quand? Ça fait plus d'une vingtaine d'années aussi. Hein. Ouais. Ouais, ça fait. Donc ils sont connus avant de t'avoir. Oui, avant de t'avoir. Bien sûr. Ouais, ok. Exactement, je crois que ça fait 27 ans qu'ils sont connus. D'accord. En même temps, ils auraient pas pu se connaître après l'avoir eu. Non, c'est sûr. Attends, écoute-moi. Si c'est pour dire des conneries comme ça sur un sujet sérieux, tu dégages là-bas. Mais non, mais gros, non, tu veux pas. Ils sont avant de t'avoir, gros. Mais... Ok. Mika. C'est bon. Mika. C'est bon. Archem Rouya. Mon frère. Donc les amis, pour résumer la situation, Mika est allé s'occuper des caméras, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Pour résumer la situation, Dimitri a des doutes sur la fidélité de sa mère envers son père. Et donc nous, ce qu'il nous a demandé Dimitri, tout simplement, c'est de mettre des caméras chez lui pendant qu'il n'est pas là. Donc on va placer les caméras, les amis, on va les mettre chez lui et puis on va attendre à l'extérieur. Et si on voit quelque chose de louche, là on interviendra. Allez, à toutes. Bon là les gars, on vient de placer les caméras à l'intérieur de la maison. Donc on va regarder en direct sur le téléphone les caméras. Et Dimitri est avec nous pour voir ce qui se passe en direct, voilà. Donc on attend, là c'est bien ta mère ça? Oui, c'est ma mère. Bon, là pour l'instant rien de particulier, donc on attend et on voit ce qui se passe. C'est qui, tu le connais lui? C'est mon meilleur ami ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est ton meilleur ami? Je te jure, c'est tranquille. Peut-être qu'il est venu chercher un truc, un jeu à lui, que tu lui as prêté ou qu'il t'a prêté, je ne sais rien. Attends. Il y a personne. Non, t'inquiète pas. Il travaille ton mari? Oui, il travaille. T'inquiète pas. D'accord. Fais Dimitri de la boxe. Aussi, t'inquiète pas. Alors, ça a été ta journée? Ça m'a été. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Oh, tu veux boire quelque chose? Ouais. T'as de l'eau? Ouais, de l'eau surtout. Ouais, de l'eau. Ok, merci. Écoute, ça a l'air suspect, je te l'accorde. Va là-bas, appelle-le et tu vois ce qu'il te dit. Vas-y, d'accord. S'il te ment à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de doute, ok? Vas-y. Viens là. Là, il y a trop de câlins. J'entends pas, dommage qu'on n'a pas le son. J'ai pas le son.
C'est bizarre. On a un oral son une fois que ça sera enregistré. Non, mais c'est bizarre. Oui, c'est chelou. C'est chelou. C'est daronne. C'est chelou. Ah, tu as vu comme il appelle ce qu'il a fait? Il a fait ça avec la main. Ouais. Quand il appelle. Et elle aussi a fait ça. Allô? Ouais, ça va, Dimitri? Ouais, et toi, ça va? Je suis à la douche, je vais rentrer là, pourquoi? Non, non, je vais à la douche, on peut se voir plus tard. Non, 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 je vais rentrer à la douche là. Ok, ça va. T'es sorti de la boxe? Ça va? Pas de problème. Bon, attends. Ça va aller, ça va. T'es sûr? Oui, il est à la boxe. T'es sûr? Oui. Gros, t'as c'est avec lui qu'elle a une liaison. Tu imagines c'est avec lui qu'elle a une liaison? Imagine la, imagine la daronne. Avec le elle a une liaison avec son meilleur ami. Oh, le bordel que ça va faire. Avec le daron et tout. Comment ça se joue quelque chose? Non, je pense pas, il y a la boxe, mais on soit prudent, mais il faut qu'on y aille, on envoie l'argent. D'accord? Ouais, la prochaine fois, on va se plus de messages. Voilà. On va éviter de se voir à la maison. Ouais. D'accord? On fait ça. Ok. Ah, c'est vrai que là, c'est chaud quand même. T'as entendu, oui ou non? Non, j'entends pas, j'ai pas le son. Où tu vas? Tu vas? Attends. Fais pas n'importe quoi! Fais pas n'importe quoi! Calme-toi, ça sert à rien de s'énerver. Oh! Manque pas de respect à ta mère, s'il te plaît. Manque pas de respect à ta mère. Nous, on est venu te rendre service. Tu voulais savoir les choses, mais non, tu les sais. Ça sert à rien de s'énerver. Madame. C'est bon, ça sert à rien de s'énerver. Non, je suis d'accord. Dimitri, je suis d'accord avec toi. Mais il est là. Alors il est pas parti. T'inquiète pas, on va régler le problème. C'est bon. Stop. Redescends. Non, bon. Madame. Madame. C'est bon. Madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... C'est quoi ces caméras? Je suis espion? Vous serez foutu. Tu es espion? Ferme pas les mots. C'est quoi? Ferme pas les mots. Tu es espion? Laisse-moi la parole, t'inquiète pas. C'est des caméras, il y a des caméras cachées, on a tout vu. Papa, il va tout savoir. Papa, si tu es au travail pour faire ça avec mon meilleur ami, t'es sérieuse? Mais c'est qui, va? Je suis désolé. Il n'y a pas de désolé. Papa, je peux, t'arrêtes de crier s'il te plaît, j'ai mis 2 secondes. Stop. Cassez un verre, c'est bon, on arrête. Tranquille. Madame, faut se calmer. Comment je me calme? C'est bon, laisse-moi tranquille, toi. Arrête. Dimitri, qu'est-ce que je t'ai dit? Laisse. Moi, j'ai dit, tu vas voir, on va se retrouver. Ta mère,
je vais t'écraser la tête. Je fais comme ça, je vais t'écraser la tête. Ça sert à rien, dans tous les cas, ça sert à rien de mentir parce que votre fils, il a mis des caméras et des micros, on vous a entendu, on vous a vu. D'accord ? La caméra qu'il y a là, moi je fais des vidéos sur internet, sur YouTube. Je vais pas. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est votre fils que vous avez appelé, madame. C'est votre fils qui vous a appelé. On va parler maintenant. Écoute, tu m'écoutes, hein, parce que sinon c'est moi qui vais m'énerver. Je vais pas m'énerver contre toi. Je sais ce que tu vis. C'est très. J'ai jamais vu ça. Tu aurais fait. Non, je suis d'accord. Mais tu as vu, moi, tu as une parole. Tu as vu qu'il y a une parole envers moi. Oui, moi, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit si c'est quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. D'accord ? Alors, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas d'embrouille. Mais après, en dehors de ta vie. Tu fais ce que tu veux. Là, on est là, maintenant, là, dans l'immédiat. Je t'explique. Je peux parler à mon fils, s'il te plaît. Lâche-moi, tu me dégoûtes, lâche-moi. Tu me dégoûtes, écoute, t'as pas honte. En gros, mon père, c'est mon père. Je fais ça en plus avec mon meilleur ami. Ça va pas bien, moi. Je m'en bats les gars. T'as qu'à quitter, t'as qu'à pas le tromper. Alors pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi? Pour te faire entretenir. Tu restes avec lui pour te faire entretenir. Parce que je travaille pas sur toi. Non, il y a pas de citoyen. Lâche-moi. Dimitri, viens ici. Dimitri, viens ici. Bah écoutez, on va arrêter le tournage. On va arrêter. On va arrêter. Toi, vaut mieux que tu profites pour partir par. Va-t'en. Passe par là-bas. Allez. Allez-y, madame. Allez-y, vous savez. Il est parti, je l'ai fait partir. Je l'ai fait partir, ça arrête. T'as pas honte. Avec papa, ça fait plus de 20 ans que j'ai en couple avec lui. Tu le trompes avec mon meilleur ami. Ça pourrait être ton fils! Je vais t'expliquer. Ça va plus. C'est quoi les explications? Ça fait longtemps que ça va plus avec toi. Et alors, quitte-le! Tu crois que ton père, il s'est gêné, lui? Il s'est pas gêné! Ça fait 20 ans! Il est parti! Pourquoi tu meurs? Il est routier! Arrête! Non, là, par contre. Non. Allez, casse-toi. Non. Viens, on s'en va, on arrête. Tu prends tes affaires. Arrête de filmer, arrête tout. Bon, les gars, voilà, on arrive. Très tard, c'est-à-dire que ça a été un bordel. Là, la vidéo elle s'est coupée, vous l'avez vu, ça a été un bordel. Mika il est rentré chez lui, le mec, je pense que vous voulez savoir un peu ce qui s'est passé, donc je vais vous expliquer un petit peu. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand Dimitri est parti de chez lui, donc il a voulu lever la main sur sa mère et tout dans la folie, après il a regretté, il me l'a dit, mais il a voulu lever la main sur sa mère et on a préféré tout arrêter et le mettre dehors. Sauf qu'au moment où il est sorti Dimitri, il y avait l'autre mec, son meilleur ami qui se tapait sa mère, il était devant la maison et il attendait parce qu'il espérait avoir une discussion avec Dimitri et essayer de l'emboucaner. Mais je crois qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on avait tout filmé depuis le début et que Dimitri il savait très bien ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, donc il n'y avait plus de doute en fait. Et quand il est sorti Dimitri, qu'il a vu l'autre, on n'a pas pu l'empêcher. Il lui a sauté dessus. On n'a même pas pu le filmer parce que dans le truc, on a plus pensé à séparer qu'à faire autre chose. Mais il a sauté dessus. Ils se sont battus. Mais quand je vous dis qu'ils se sont battus, les gars, ça a été violent. Ça a été tellement violent, les gars, que ça a fini au commissariat. On sort du commissariat. Là, il y a même pas, allez, 2 heures qu'on est sorti du commissariat. Le temps d'arriver, de se poser, que Mika y rentre et tout. On était vraiment abasourdis par tout ce qu'on a vu. Et je vous dis la vérité, c'est la première fois que je vois un truc comme ça dans toutes mes vidéos que j'ai tournées. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos, les gars. Eh ben, ça fait 5 ans. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Déjà, je pensais pas que ça existait ce genre de situation, je pensais que c'est que dans les films. Et ben là ça nous est tombé dessus. Et ben je peux vous garantir que ça fait drôle quand ça vous tombe dessus. C'est chaud. Et là on se retrouve moi et le D, donc mon caméraman, on filme avec le téléphone, on n'a même plus de batterie sur les appareils. Et je peux vous dire que ça a été chaud. Donc au commissariat après ça a porté plainte le mec. Donc attendez parce que ça, c'est pas fini. Le mec qui le meilleur ami de Dimitri a porté plainte contre Dimitri parce qu'il a frappé. Alors que c'est lui qui est en tort à la base et que moi je trouve ça légitime, hein. Je suis désolé, pour moi il a raison. Mais le mec a porté plainte et Dimitri risque d'avoir des problèmes. Donc on vous donnera des nouvelles de Dimitri sur Instagram, n'hésitez pas à nous rajouter. C'est CamOff officiel, Cam-off-officiel officiel. Et on donnera des nouvelles en story ou en post, on fera peut-être même une photo avec lui. Mais voilà, d'ici que la vidéo sortira, nous elle est déjà, elle va, là, à l'heure où vous la voyez, on aura déjà des nouvelles parce que la vidéo sera prête depuis un moment. Et on pourra vous dire sur Instagram. Voilà, je pense qu'il a mis au courant son père après, je vais l'avoir au téléphone tout à l'heure, je vais l'appeler pour voir un peu où il en est. Voilà, déjà elle a pas fait de garde à vue, c'est magnifique. Mais je pense que la plainte elle va aller beaucoup plus loin parce que l'autre, son meilleur ami, je pense qu'il a pas accepté la rousse qu'il a pris. Voilà, donc écoutez, grosse vidéo, gros choc émotionnel pour tout le monde. La mère nous en a voulu à la fin, celle qui nous a dégagé de chez elle parce qu'elle a mal pris qu'on a filmé tout. Enfin, c'était n'importe quoi, vraiment, c'est une grosse embrouille. Les voisins sont sortis, un carnage, les gars. Donc, je vous dis simplement que la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi prochain
à 18h pour une toute nouvelle expérience sociale, un prank, une caméra cachée comme celle-ci, j'en sais rien, les gens ils nous appellent, on tombe toujours sur des nouveaux sujets, et des fois on ne sait même pas ce qui va se passer. Bref, aujourd'hui ça a été vraiment spécial, j'espère que la vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de nous rajouter sur Instagram pour qu'on vous donne des nouvelles de Dimitri et de savoir un peu où ça en est. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous.